Cette déclaration du porte-parole de la MONUSCO a été dénoncée par quelques membres du gouvernement congolais, dont les ministres de l'Industrie, Julien Paluku et Modeste Mutinga, des actions humanitaires, lors du briefing conjoint tenu mardi dans la soirée avec les porte-parole du gouvernement congolais. D'après Julien Paluku, cette déclaration qualifiée de fracassante était considérée comme un aveu d'impuissance par la population congolaise qui prouve, selon cette dernière, la fin de la présence de la MONUSCO en RDC. En tant que gouvernement, nous, on ne peut pas agir comme dans la rue. Nous avons des engagements. Il ne faudrait pas que, même s'il y a des problèmes, que d'un coup nous nous réveillons et que nous disions, bon, aujourd'hui c'est fini, le lendemain c'est la fin. Non, comme gouvernement, on s'assoit parce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité. Si vous lisez la résolution 2556, elle dit clairement ceci, le Conseil de sécurité approuve la stratégie commune des retraits progressifs et échelonnés. Ça, c'est la résolution. Elle est déjà prise. Donc, quand on dit retrait de la MONUSCO, ce n'est pas qu'on est en train de forcer la MONUSCO à partir. Non, c'est le Conseil lui-même qui a déjà voté la résolution du retrait. Maintenant, comment le faire et quand le faire et pour quelle période, ça, c'est le groupe de travail qui va maintenant le définir. Et comme on allait jusqu'en 2024 pour le président de la République avec ce qui s'est passé ici, on doit s'asseoir pour dire 2024, le cap, on va définir un nouveau cap. Et ici, ce n'est pas l'idée de vous dire quel est le cap qui sera défini parce qu'il faudra que ce soit le groupe de travail qui définisse. Parce que la même résolution dit la MONUSCO, le gouvernement, en liaison même avec la société civile. Or, nous avons rencontré les couches de la société civile. Donc, ce groupe de travail, au-delà du gouvernement et de la MONUSCO, va associer la société civile pour redéfinir les nouveaux délais raccourcis. Ça, c'est la volonté du gouvernement. Mais les raccourcis, c'est lesquels? Ce n'est pas à moi de répondre ici. Attendez que ce groupe de travail nous produise les résultats de son travail. Il faut que les gens comprennent la différence. La différence, c'est que les agences du système des Nations Unies vont rester. C'est-à-dire les BUG, l'OMS, etc. Alors, toutes les matières que la MONUSCO exécutait vont être transférées aux agences du système des Nations Unies qui, elles, sont pérennes dans tous les pays. Il y a le BUD, il y a l'OMS, il y a OCHA, il y a etc. Donc c'est ce plan-là qui va aider effectivement à définir ce transfert.